Édition du jeudi 17 juin, bienvenue au balado du centre-ville. Mon nom est Alexandre Tournier, toujours en compagnie de Max Boudreau. Comment ça va, Max? J'espère que ça va mieux, parce que je sais que lorsqu'on a fait le dernier match ensemble, Bucks Nets, donc mardi, pour le match numéro 5, il y avait quand même un problème au niveau des canaux nasaux, là, au niveau des narines. J'espère que tu vas mieux. Écoute, je me sens un peu comme Tata Boutlamine dans sa composition de sa chanson préférée, Narine. Le nez est complètement bouché. Ça fait 3 jours. Écoute, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, mais tout est bloqué à la hauteur ici, donc... Je peux pas vraiment rien faire, mais pensez à mon tata Boutlamine et sa chanson préférée, Narine. Fait que tu sonnes un peu comme un canard, mais écoute, très, très heureux encore une fois de faire ce balado avec toi. Plus tard à l'émission, on va vous présenter également une entrevue qu'on a réalisée mardi soir en compagnie de Peter Yanopoulos. Une entrevue avec l'ancien de Lawrence de Syracuse, ancien des Celtics et des Nets, donc Chris Joseph. Mais... on vient de parler justement de Peter Yanopoulos. Ben, on l'accueille à l'instant au téléphone. Comment ça va, mon ami? Bonjour, les gars, ça va bien? Oui, salut, Peter. Bien. Peter, tu sais, souvent, on dit dans la NBA, il n'y a jamais une semaine plate. Il n'y a jamais une journée plate. Mais j'ai l'impression que hier, donc mercredi, le 16 juin, là, l'avant-midi du 16 juin aurait pu remplir des émissions et des émissions nouvelles sportives. Ça a été complètement fou. On a appris que Kawhi Leonard avait été blessé à un genou, au ligament croisé antérieur. Chris Paul est maintenant sur la liste de la COVID. Donnie Nelson s'est terminé avec les Mavericks. Scott Brooks s'est terminé avec les Wizards et également. Et les Pelicans seront notamment à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef. Peter, honnêtement, là, je sais même pas par où commencer. Je te laisse tout simplement le choix du premier sujet. Pige là-dedans. Un buffet à volonté. Les gars. Premièrement, je suis tellement content qu'on travaille ensemble à RDS en 2021, puis c'est pas 1981. Pis sinon, on serait à côté d'un fax, on entendait les nouvelles, puis prenait « Il y a un échange! Il y a un entraîneur qui est congédié! » Mais là, c'est instantané. On a toutes les nouvelles assez vite. Puis hier, c'était une journée de fou. Puis tu l'as bien dit, Alex, il n'y a jamais une journée tranquille dans la NBA. Hiver, printemps, l'été, l'automne, oublie ça. Mais je suis surpris parce que hier, il y a des entraîneurs qui sont faits congédier. Puis quand on pense à Stan Van Gundy, il a duré un an avec les Pélicans. J'étais un peu surpris qu'on l'a engagé. David Griffin, qui est le président des Pélicans, on sait qu'il a gagné un championnat avec les Cavaliers puis LeBron en 2016. Je pensais qu'il y avait pris un entraîneur un peu plus jeune, de nouvelles plateformes, mais il voulait un gars d'expérience, puis ça n'a pas marché. Mais là, Zion Williamson, il va avoir son troisième entraîneur dans 3 ans. Fait que t'es mieux d'engager le bon, parce que si ça ne marche pas avec le troisième entraîneur, quand Zion aura le pouvoir de quitter, d'être un agent libre dans à peu près 7 ans, il va le faire. Fait que c'est important pour les Pélicans. Je pense qu'aussi avec Scott Brooks, il a coaché une saison incroyable, les 40 derniers matchs de la saison dans les séries. Mais encore une fois, je pense que le pouvoir des joueurs était tellement fort. C'est les joueurs qui décident présentement c'est qui va être leurs entraîneurs. Les joueurs ne voulaient plus que Brad Stevens soit l'entraîneur. Il est pas congédié. On l'a mis de président, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Van Gundy, Scott Brooks, Don Nelson, le directeur général des Mavericks, il y a de la friction avec Luka aussi. On veut garder Luka. Oui. Bref, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux entraîneurs. Ça va bouger pas mal vite durant les 2-3 prochains mois. Et Peter, j'ai l'impression que dans le cas de... Vas-y, Max, Alex. Ah, vas-y. C'est fou la pression, là. Écoute, dans le temps, on voyait pas ça des entraîneurs. Tu leur donnes une année pour tout changer. Si ça ne fonctionne pas, salut, bye-bye, merci de la visite. Ouais. On a vu la semaine passée, coach à Indiana, cette semaine, coach des Pelicans. C'est incroyable. Là. C'est comme si la pression des GM de gagner. Puis tout ça, je pense, ça vient aux propriétaires. Les propriétaires, en ce moment, là, ils pensent avec leur portefeuille, ils ont besoin de faire de l'argent, il faut qu'ils se rendent loin en série. Si ça ne fonctionne pas, la gâchette est rapide, puis on change, on passe au prochain. C'est incroyable. Ouais. Mais Max et Peter, ça me fait rire de penser gagner. Combien d'équipes peuvent légitimement
gagner dans la NBA. Est-ce que Nate Bjorkgren avec les Pacers, est-ce que les Pacers, là, au début de l'année, on les regardait et on se disait hey, ça, c'est une équipe qui a des chances de remporter quelques rondes en série, peut-être même d'atteindre la grande finale? Non. On les place dans des positions excessivement difficiles. Et tu parlais, Peter, de Van Gundy et de Zion Williamson. J'ai l'impression que ce que Zion Williamson est en train de vivre présentement, Devin Booker et les Suns de Phoenix l'ont vécu ensemble. C'est essentiellement le même scénario. On tente de donner le meilleur entraîneur possible à un jeune joueur en se disant « un jour, ça va marcher, un jour, ça va marcher, un jour, on va gagner ». Ce jour-là, pour les Suns de Phoenix, ben c'est peut-être cette année, oui, mais on a passé entraîneur après entraîneur. Depuis la saison 2013, on est rendu à 6. Ça fait absolument aucun bon sens. Et comme tu le dis, Peter, il y a énormément de pression sur les entraîneurs pour gagner immédiatement. Bon, messieurs, hier, je pense qu'on a regardé tous le même match. On rentre dans le vif du sujet, les Hawks d'Atlanta. Et là, présentement, Max, sans vouloir me donner et te donner des tapes dans le dos. J'ai mis mon rouge. On a prédit une victoire en 7 des Hawks. Le problème, c'est que notre argumentaire était le même, c'est qu'on se disait Embiid ne va pas réussir à jouer toute cette série-là. Et malgré le fait que Joel Embiid est là, les Hawks d'Atlanta mènent 3-2. Peter, j'ai envie de t'entendre sur Doc Rivers, dont la réputation, bon, est-ce qu'elle est surfaite? C'est un bon entraîneur, on l'a vu avec les Celtics, mais combien de fois une équipe, entre guillemets, là, sans vouloir dire choquer, là, parce que j'aime pas ce terme-là, mais les équipes de Doc Rivers, encore une fois, là, pourraient se faire remonter. Hier, on a laissé filer une avance de 26 points pour permettre aux Hawks de l'emporter. J'aimerais t'entendre sur ce match-là et sur cette série-là, Peter. Ah, quel match de fou. Puis on pensait, je pense que tout le monde des Sixers pensait que ce match était fini quand ils menaient par 26 points en première demi. Je pense que Daryl Morey, Elton Brand, puis Prosper Karangwa, les dirigeants de cette équipe, ils disaient, OK, on va être à l'avance 3-2, puis là, on se prépare pour terminer cette série. Puis là, le rêve, comme j'aime dire, est devenu le cauchemar pour les Sixers assez vite hier. Comment tu peux te permettre de perdre une avance de 26 points? Puis Doc Rivers, écoute, on s'entend, j'ai tellement de respect pour Doc. Quand je l'ai rencontré, il était tellement sympathique. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Les joueurs l'adorent. Mais si on regarde sa carrière, oui, le championnat avec les Celtics, mais l'année d'après, il aurait dû battre les Lakers. Ils avaient l'équipe. Encore une fois, ils ont perdu en 7. Ils avaient ce championnat-là. Avec les Clippers, avec Blake Griffin, avec Chris Paul, avec J.J. Redick, Jamal Crawford, DeAndre Jordan, ils sont pas rendus en finale de conférence. Là, tu l'amènes cette année, puis là, on a critiqué Brett Brown pendant plusieurs années. Brett Brown, t'es pas capable, c'est pas ton rôle. Oh, Doc Rivers arrive, première place. Là, tu perds par 26 points. Quand t'avais une avance, tu perds un match comme ça à la maison, inacceptable. Les ajustements, il n'y en avait pas. C'était juste, on regardait le ballon pour donner à Joel Embiid. Joel Embiid, on le doublait parce que essentiellement, on joue 4 contre 5 parce que Simmons veut rien savoir de faire des points. Il veut pas se faire fauter. Danny Green, c'est une perte, oui, mais des erreurs mentales. Ty Bull qui fait des erreurs, des fautes sur Trae Young. Embiid, encore une fois, les gars, c'est une ligue de superstars, c'est une ligue de champions. T'as deux lancers francs, tu rates les deux, t'es pas capable de terminer le match au quatrième quart. Bref, on doit critiquer Joel Embiid, on doit critiquer Doc Rivers. La série est pas finie, parce que si on est Philadelphie, on menait presque dans tous les matchs. M'entends un match numéro 7, les gars, quand même. Hey, écoute, et tu parles de Ben Simmons, j'ai l'impression que le rôle de Ben Simmons s'est rendu le rôle de Draymond Green avec les Warriors. Donc, c'est un gars qui va te donner un triple single qui peut te donner 9-9-9, mais c'est pas un gars qui va te donner 30 points. Et Ben Simmons, et on en parle souvent et ça me fascine, là, depuis le début des séries, 32,8% à la ligne des lancers francs. C'est absolument horrible. Comment tu veux gagner lorsque un de tes deux joueurs vedettes a un taux aussi faible au lancer franc? Et Max, on s'en parlait avant le balado. La deuxième demi, il y a deux joueurs seulement qui ont marqué du côté des Sixers. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, évidemment. Et ça, quand j'ai vu ça, parce que j'ai vu le match, et puis moi aussi, là, c'est le genre de match qu'après trois quarts, tu sais,
tu es là dans l'aréna, tu dis ah, on va essayer de battre le trafic, on va partir avant, puis on va écouter le reste à la radio. Puis que tu dis, mon Dieu, c'est impossible qu'on va perdre ce match-là, puis le gars, c'est arrivé. Mais comme tu dis, là, c'est incroyable. Tu as Embiid et Curry qui a eu le match de sa vie, qui ont marqué des points en deuxième demi. That's it. 24 minutes de jeu, personne d'autre n'a marqué. Moi, qu'est-ce que je suis pas d'accord avec Peter, c'est que je veux pas mettre le blâme sur Embiid, parce que Embiid, il joue sur un pied. Puis encore une fois hier, 37 points, 13 rebonds. C'est sûr que tout le monde va dire, hey, il a manqué les deux lancers francs à la toute fin, mais il a quand même réussi 11 en 13 de ses lancers francs. Moi, si je voudrais mettre le blâme, Tobias Harris. Il faut qu'il se réveille. Écoute, c'est un match sur trois, un match sur deux et demi qu'il joue. Hier, 2 en 11, 4 points. C'est un joueur qu'on paye 30 millions plus de dollars. C'est supposé d'être la deuxième option. C'est pas supposé d'être Curry à être la deuxième option. Et c'est un joueur qu'on est allé chercher. On a dit, hey, cette année, il va surperformer parce qu'il jouait bien sous Doc Rivers. Mais en ce moment, là, c'est le joueur peut-être le plus inconstant, ça se dit-tu, en tout cas, qui manque Qui le manque plus de de constance. Constance, pardon. Ouais, c'est ça, je suis en train d'inventer des nouveaux mots. Mais c'est une défaite, là. Écoute, on Mais c'est vient pas de fini. se couper les jambes en deux, là. C'est pas fini, mais on s'en va à Atlanta, puis on sait qu'à Atlanta, les joueurs vont vouloir finir, là. J'écoutais John Collins après la rencontre qui a réussi un doublé. Lui qui joue extrêmement bien lors des deux derniers matchs. Puis il dit, écoute, juste l'opportunité de finir ça. Pour les partisans, pour nous, de jouer à Atlanta dans un marché où ce que des 5 dernières années, on était dans les bas-fonds, c'est incroyable, là. Et écoute, je ne veux pas dire qu'on est des devins, mais je suis très fier de ma prédiction. C'était en 7, mais peut-être ça va être en 6. Également, ben, il faut dire que, et on en a parlé beaucoup lors des matchs de l'NBA sur les zones de RDS et RDS2. Tu sais, souvent, je vous posais la question, à quel point cette transaction-là, Rajon Rondo, Lou Williams, a été bénéfique pour les Hawks? Peut-être pas depuis la date butoir des transactions, peut-être pas en première ronde, mais hier, lorsqu'il s'est amené dans le match au troisième quart, il a été très bon, 15 points, 7 en 10 pour Lou Williams, donc un des facteurs de cette remontée. Peter, je sais que le temps file, mais avant de te laisser partir, j'aimerais qu'on parle du camp d'équipe Canada qui va évidemment participer aux qualifications en vue des Jeux olympiques de Tokyo, le camp qui a lieu du côté de Tampa. Il y a Lugansdor et Bénédicte Mathurin. Dans le cas de Mathurin, c'est un ajout, mais quand même d'avoir un joueur aussi jeune que lui dans le camp de l'équipe canadienne, c'est quand même assez formidable. Ouais, c'est incroyable pour Ben puis sa famille, puis je pense que Ben a travaillé extrêmement fort durant les 2, 3 dernières saisons. C'est quelqu'un qui a dominé pour l'équipe du Québec, qui a gagné une médaille d'or au championnat U17. Je pense que c'était un des meilleurs joueurs canadiens, mais on l'avait pas vraiment identifié pour l'équipe nationale, comme on a vu auparavant au cours des années. Mais là, quand on a vu la saison que Bénédicte a eue à Arizona, je pense que premièrement, on veut que Ben joue pour l'équipe U19 au championnat du monde, et Ben a dit qu'il va jouer. Puis là, on a décidé, Rowan Barrett, Michael Meeks, puis les dirigeants de l'équipe canadienne, qu'on veut qu'il soit parmi les 24 joueurs au camp pour l'équipe senior. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer aux Olympiques ou si le Canada va se qualifier, mais ça veut dire qu'on veut que Ben commence à travailler et jouer avec les joueurs de l'équipe nationale senior parce qu'il va être sur l'équipe nationale senior assez vite. Je pense que Ben, la façon qu'il continue à se développer, t'sais, je lui parle à presque chaque jour. Il est allé à Los Angeles pour s'entraîner, il est allé au Mexique pour s'entraîner, il est de retour à Arizona, là il est à Tampa Bay. Il va connaître toute une saison et on espère qu'il va être un choix de loterie l'année prochaine. Mais c'est tellement beau à voir Ben qui représente le Québec au championnat U19 et être parmi les 24 joueurs. Puis quand on pense à tous les joueurs de la NBA, c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui va participer parce qu'il y a des problèmes de contrat. On sait que Chris Boucher a décidé de ne pas jouer parce qu'il lui reste une année sous son contrat. Il veut vraiment se concentrer sur sa musculation après sa force physique pour être prêt pour une saison de 82 matchs l'année prochaine. Cambridge, il n'y a pas un contrat présentement. Moi, j'ai dit à Cam, écoute, c'est tellement beau de jouer pour l'équipe Canada, mais il faut que tu penses à ta carrière. Si tu as une blessure, tu n'as pas de contrat. Fait que, malgré ça, Cam, encore une fois, peut-être qu'il voudra jouer, mais Lugansdor, je pense que Lugans va être un joueur
hyper important. Je le vois sur le 5 partant. Je le vois comme le joueur qui va être sur le périmètre pour Nick Nurse. Puis on sait que Nick Nurse adore les gardes qui peuvent jouer des deux côtés du ballon, comme un Fred VanVleet, comme les Kyle Lowry. Fait que quand tu vas jouer contre des grandes équipes internationales, il y a vraiment des bons joueurs. Fait que Lugans va être le joueur numéro un à défendre ces joueurs. Et on a vu comment que ça a amélioré le côté 3 points à l'attaque aussi. Fait que je suis fier de Lugans, je suis fier de Ben. Puis on a deux gars de chez nous qui sont là pour l'équipe nationale. Puis il va vraiment avoir d'autres bientôt. Fait que chapeau à ces deux joueurs. Et je sais que Peter va connaître un été excessivement difficile, surtout lors des qualifications à Victoria. Grèce ou Canada, malheureusement, Oh là il y a là. simplement une équipe qui va pouvoir passer au premier On en a tour. déjà Peter, débattu. ouais, c'est ça. Oh Peter, là là. en 30 secondes, les formations défensives par excellence de la NBA ont été dévoilées cette semaine. Giannis, Antetokounmpo, Gobert, Green, Holiday et Simmons. Dans la première équipe, Adebayo, Butler, Embiid, Leonard et Tibull du côté de la deuxième. Est-ce qu'on aurait dû faire une place à Lugansdor? Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que Lugans, on a vu qu'est-ce qu'il a fait pendant 72 matchs. Oui, il n'en a pas joué toutes les 72. Je pense que le Thunder est dans une reconstruction. Je pense que oui, la fiche du Thunder, comme une des pires équipes de la NBA, mais durant la deuxième moitié, parce que la première moitié, ils étaient dans la bulle pour participer aux séries, mais ils ont fait un choix. Pour moi, Tybull, c'est un excellent joueur défensif. Je pense Butler aussi. Je pense que les 10 Sophia. joueurs que tu as nommés, c'est des excellents joueurs. Ouais, mais hier, ça, c'est une grave erreur mentale de la part de Tybull. Lugans ne fait pas des erreurs comme ça, mais écoute, c'est clair qu'on veut notre Québécois, mais si tu demandes aux joueurs si Lugans fait parmi des 10 meilleurs joueurs défensifs, tous les joueurs de la NBA vont dire oui, incluant la barbe, James Harden. Et tu fais un très bon lien vers notre prochain sujet. Peter Yannopoulos, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Je sais que tu as un horaire très, très chargé, mais merci d'avoir réussi à faire un petit trou dans ton horaire de la journée. Toujours pour mes frères, les gars. Salut, bonne journée tout le monde. Salut, À bientôt. Peter. Bonne journée à toi, Peter. Bye-bye. Bon, justement, Max, quel beau lien de la part de Peter Yannopoulos. Parlons de cette série entre les Bucks de Milwaukee et les Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn, écoutez, on se disait après deux matchs, ah, ça va être facile, il n'y aura pas de problème. Les Bucks de Milwaukee ne sont pas nécessairement de taille. Chose certaine, les Bucks de Milwaukee qui sont revenus de l'arrière, donc pour créer l'égalité à deux partout. Et là, on a eu la chance de faire ce match numéro 5 ensemble. Avant le match, on ne savait pas si James Harden était pour jouer dans cette rencontre-là. Harden qui s'est Oui. blessé dans la première minute du match numéro 1. Et là, on se dit, sans Harden, c'est terminé. Ou du moins, ça va être excessivement difficile. Kevin Durant va devoir marquer plus de 40 points. Et là, surprise, James Harden participe au match. Et on a quand même eu besoin d'une performance légendaire de la part de Kevin Durant, 49 points. Écoutez, c'est le premier joueur de l'histoire de la NBA avec plus de 45 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Qu'est-ce que tu penses de la performance d'une part de Kevin Durant, qui, rappelons-le, a joué les 48 minutes du match numéro 5, et où tu vois cette série-là aller? Est-ce que ça se terminera à Milwaukee dans le match numéro 6? Est-ce qu'on aura besoin d'un match numéro 7? On a vu sur Twitter aussi, il y a des analystes, sans vouloir les nommer, du côté des réseaux américains, qui ont suggéré pourquoi pas reposer Kevin Durant, pourquoi pas reposer Ouais. Harden, finalement, pourquoi pas perdre le match numéro 6 et dire on y va all-in dans le match numéro 7. Ouais, écoute, j'ai lu les mêmes choses, puis ça a été retweeté par notre chef national, Mathieu Jolivet. Une grosse prédiction, je pense pas que Steve Nash va aller dans cette lignée-là. Non Écoute, plus. si on revient sur le match numéro 5, la performance de Durant, c'est incroyable, insensé, là. Tu te dis, ce gars-là vient d'utiliser la plateforme des séries pour montrer au monde entier que c'est lui le meilleur joueur de basket un contre un. Il a pris l'équipe sur son dos. Écoute, il a pris l'aréna au complet, l'État du New York au complet. C'est incroyable la performance qu'il a fait. Tellement que on en parlait, on disait, écoute, il a joué chaque minute, là. Il s'est même pas reposé une fois. Puis tu Non. regardais, les caméras étaient toujours sur lui. Il était focus. Il avait pas l'air d'un gars fatigué. Il avait l'air d'un gars bien correct. Et après ça, tu te dis, c'est incroyable parce que James Harden a joué, mais James Harden, on voyait qu'il était accommodé là, de sa blessure. Là. Tu sais, il jouait Hey, mais James il Harden a joué jouait 46 minutes. sur. C'est ça qui est fou. Il a joué 46 minutes.
Il a tenté 10 tirs. Il en a réussi juste un. Il a tenté 8 3 points. Habituellement, James Harden est un excellent tireur de 3 points. Il les a tous manqués. Mais, tu sais, 8 passes décisives, 6 rebonds. Il a terminé plus 4. Fait. Dans son ensemble total, il a quand même bien joué. Mais il faut savoir que les Nets ont seulement joué 3 quarts parce que le premier, ils n'étaient pas là. Ils ont marqué seulement 15 points. Et c'est une avance de 14 points des Bucks. Et là, on se regardait et on dit James Harden va peut-être pas terminer la rencontre. Tu sais, ça a pas l'air bien son affaire. Après ça, t'as Bruce Brown qui était super hésitant, qui a joué les 4 premières minutes du match. Puis après ça, il a pas joué à part quand on a eu besoin de lui, de l'énergie pour revenir dans le match au quatrième quart. Mais le basket, puis on l'a vu hier avec les Hawks, c'est 4 quarts. Si tu gagnes un quart, c'est parfait, mais faut que tu gagnes la fin du match pour gagner, tu sais. Tu peux gagner le premier quart par 14, par 26 points. Ça veut rien dire. C'est tellement. Les athlètes sont tellement bons. Puis c'est tellement rapide que tu peux. Une avance de 15 points peut s'effondrer en 5 minutes. Là. Donc, moi, je pense que la série va se rendre en 7. Parce que. Est-ce qu'on va revoir des performances de la sorte de Durant? Écoute, il peut le faire, c'est sûr qu'il peut le faire. Sur la route, peut-être un peu plus difficile. T'avais peut-être l'adrénaline et tout ça là, tu sais, du côté. Mais là, tu as une journée de repos. Est-ce que James Harden va revenir aussi à 50%, 60%? On sait que Curry est parti pour le reste, ça c'est sûr. Ça va être difficile de gagner à Milwaukee. Je pense qu'on va aller en 7. Mais j'irai pas aussi avec asseoir Kevin Durant et James Harden. Là, ça serait du jamais vu. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je me dis, tout va dépendre de James Harden. C'est certain que si James Harden joue sur une jambe et offre ce genre de performance-là dans le match numéro 6, et même dans le match numéro 7, si on a besoin d'un match numéro 7 à Brooklyn, ça va être excessivement difficile. Mais si Harden te donne ne serait-ce que 20 points, ça veut dire que tu as besoin de 35 points environ de KD, 20 points de Harden, et par la suite, le banc doit te donner quelque chose. C'est ça. Il faut mentionner aussi que Jeff Green, c'est ça. On ne l'avait pas vu venir. Tout le monde attribue cette victoire-là à Kevin Durant avec raison. Mais si Jeff Green n'est pas là, on ne parle pas de Kevin Durant. Kevin Durant termine à 49 points dans une défaite par 15. C'est ça. Puis Jeff Green, c'est incroyable. Il a réussi ses 7 premiers tirs de 3 points. Il était 7 en 7, il a terminé 7 en 8. Là. Mais il a joué 35 minutes, 27 points, comme tu dis. Tout le monde disait, en l'absence de Kyrie, c'est Joe Harris qui doit en donner plus. Joe Harris, peut-être, qui va sortir en match 6 et 7, mais pour l'instant, il est extrêmement tranquille. Et il a des bons looks. T'sais. Ses tirs de 3 points, écoute, c'est juste ça ne rentre pas. Il n'a pas la confiance en ce moment. Et l'autre chose, c'est c'est qui va pouvoir te donner de l'attaque? Est-ce que Harden peut te donner 10-15 points? Il faut que ça soit Joe Harris, Jeff Green, Griffin peut-être, Brown. Même Griffin Brown était extrêmement hésitant. Bonne deuxième demi aussi dans le match numéro 5. Là. Oui, mais le problème, Griffin, c'est de l'autre côté. C'est ça, c'est que là, quand tu vas plus petit, et on en parlait en avant-match mardi, quand tu mets Giannis en 5, ça veut dire que c'est soit Jeff Green ou Griffin qui doit le contrer. Puis écoute, on l'a vu, Giannis, c'était des points après des points. La seule chose du côté des Bucks, c'est qu'on a besoin d'un closer. Tu l'as mentionné hier, Embiid manque ses 2 tirs de lancer franc. Simmons, 4 en 14, il en manque 10. Et lancer franc, là, c'est super pas mieux, important. Giannis, c'est un peu mieux, mais c'est pas. Tu le vois que. Ben, je veux pas dire qu'il est hésitant parce qu'il prend genre 10-20 secondes à lancer au lancer franc, mais tu sais que les autres équipes, s'ils veulent revenir dans le match à la fin, il reste une minute, on va aller fauter Giannis. Lance à 52% Giannis en série. 52. Il faut que tu saches gagner, puis une des façons de gagner à la fin, c'est de réussir ses lancers francs. Au moins 1 sur 2, et habituellement, tu dis 2 sur 3. Parce que 1 sur 2 à 50%, t'iras pas bien loin, mais habituellement, c'est 2 sur 3. Là, donc, tu dis 66% et plus. Mais c'est ça qui est difficile pour les Bucks. Mais moi, d'après moi, les Bucks vont revenir avec le couteau entre les dents en famille. Ils vont gagner le match numéro 6, puis on va avoir... écoute, ça va être du bonbon, ça va être du popcorn, un match numéro 7.
Bien hâte de voir justement ce match numéro 6. Et en terminant, Kevin Durant a parlé à Steve Nash au cours du match. Il a dit, écoutez, coach, si tu veux que je prenne du repos, il n'y a pas de problème, mais je me sens bien pour jouer tout le match. Et comme on l'a mentionné, ben, il l'a eu à jouer tout le match. 48 minutes pour Kevin Durant. LeBron James a fait une sortie sur Twitter hier également, ou était-ce avant-hier, dans cette journée. Complètement folle, tu te dis, ouais. Et sur Twitter, encore une fois, ma fameuse connexion, c'est généralement ce qui se passe, au moins une fois, je dirais, par balado, ma connexion qui lâche, malheureusement. LeBron James parlait justement du calendrier qui a été vraiment écourté, beaucoup de matchs en peu de temps, ce qui a mené à de nombreuses blessures. On l'a vu évidemment dans le cas de James Harden. Et là, c'est peut-être pas évidemment à cause de ça, mais Kawhi Leonard qui a subi une blessure au ligament croisé antérieur. Et là, on se disait, est-ce que c'est la fin pour les Clippers? Est-ce que Paul George est capable de prendre cette équipe-là et surtout de battre une excellente formation, le Jazz, dans le match numéro 5? Et Max, c'est exactement ce qui est arrivé. La semaine dernière, on parlait de Paul George comme de Pandemic P. Mais là, Paul, là, c'est Playoff P. Honnêtement, hier, il a, écoute, c'est pas un match à la Kevin Durant, mais il a été très bon. 37 points, 16 rebonds, 12 en 22, très efficace. Le premier joueur de l'histoire des Clippers avec au moins 35 points, 15 rebonds et 5 passes décisives. À ton avis, est-ce que, ben en fait, j'ai envie de te demander de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe avec le Jazz? Le Jazz, possiblement les grands favoris dans l'Ouest, on est relativement en santé, contrairement à tout le monde. Et là, on perd un match numéro 5 contre Paul George. J'ai aucune idée parce que j'ai écouté ce match-là aussi. J'ai suivi le conseil de Meeker, là, fait que j'avais les deux matchs, un du En Canadien, même puis temps. un du Jazz, puis des Clippers. Puis quand j'ai vu la nouvelle, moi, au début, que Kawhi était out, je dis, écoute, ça, c'est pas vrai, là. C'est une joke, c'est impossible, là. Mais je me souviens des images qu'on avait vues que, lors du match numéro 4, il s'est blessé, puis tu voyais qu'il sautait sur sa jambe, mais, tu Ouais. sais, c'était pas dans les médias, écoute, il avait l'air bien correct, là, tu sais, il était un Kawhi de lui-même, sans émotion, comme Ça. d'habitude. Sauf que là, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai dit, ça y est, Utah vient d'acheter leur billet pour la finale de l'Ouest. J'ai regardé le match, je regarde le pointage, mon Dieu, c'est 37-36. OK, Hein? oui, les deux équipes en première demi étaient en feu, là. C'était 3 points après 3 points, puis ça réussissait, là, tu sais, puis sans l'anneau, rien, là. C'était swish, swish, swish. Puis tu te dis, OK, bon, Utah joue à la maison, c'est sûr que t'as la foule qui vient embarquer. Des fois, t'es avec cette foule-là, t'sais, ça peut être un bon joueur, mais ça peut être aussi, ils pensent que tu vas réussir un 3 points à chaque fois, puis que Ouais. tu prends des tirs que tu devrais peut-être pas prendre. Et Utah gagnait à la mi-temps. Fait que, t'sais, je veux dire, OK, la logique est respectée, Utah va gagner, t'sais, les Clippers vont s'effondrer au troisième, quatrième quart. Et c'est tout le contraire qui est arrivé. Clippers ont marqué 32 points au troisième quart et seulement 18 du côté du Jazz. Et comme tu dis, écoute, Paul George a pris l'équipe sur son dos. Il l'a carrément dit. Il dit, j'ai eu la nouvelle. Et il dit, je veux pas. Je sais que les gens me critiquent, que je suis inconstant dans les séries. Mais hier, on peut pas rien dire. Et aussi, la part de Reggie Jackson, qu'on disait qui est peut-être Ouais, encore une le fois. X-Factor, le troisième homme quand il y a Kawhi et Paul George, et Marcus Morris. Marcus Morris a été dans le match. Pourquoi? Parce qu'il a été Marcus Morris. Il a trash-talké Rudy Gobert, il a pilé par-dessus pendant le match. Et ça, c'est le genre Terrence de Mann street avec le baller. dunk sur Gobert aussi. Terrence Mann, à la fin, c'est un gros dunk. C'est sûr que c'est peut-être pas le dunk de Kawhi sur Derek Favors lors du dernier match, mais Non. c'était un gros dunk, point d'exclamation, sur la route, pour faire taire là, presque le 100% de la capacité des gens qui étaient à Utah.
mais c'est toute une victoire, là. Hey, ça, je n'aurais jamais pensé ça. Même les parieurs à Vegas, je suis sûr que les odds étaient tellement en défaveur des Clippers. Il y a du monde qui ont fait l'argent si on pariait sur les Clippers hier. Et encore une fois, c'est comme un match qui ont volé les Clippers. Sauf que là, c'est l'effet contraire des Bucks et des Nets. Là, les Clippers s'en vont à la maison pour terminer. Est-ce que je pense que ça va être terminé dans le match numéro 6? Je ne crois pas. Je pense aussi qu'il va y avoir un match numéro 7. Mais si je suis Quinn Snyder puis le Jazz, je vais voir les médecins de l'équipe. Là, je dis, bon, quelle potion magique il faut donner à Mike Conley? Parce que là, on a vraiment besoin de lui. On a besoin de notre équipe complète. L'équipe qui nous a mis numéro 1 dans l'Ouest cette année. Parce que là, écoute, c'est now or never. Là, on fait face à l'élimination au match numéro 7. On sait que Donovan Mitchell est encore ennuyé par une blessure à une cheville. Il l'a dit aux membres des médias hier. Écoutez, faut trouver une façon que ça fonctionne. Oui, je suis peut-être pas à 100%, mais il faut gagner puis il faut que je réussisse là, à faire fi justement de cette blessure-là. Tu parlais des tirs de 3 points. Le Jazz a tenté 54 tirs de 3 points, 26 tirs de 2 points. Tu sais, comme on dit, live by the three, die by the three. Donc, vivre ou mourir avec les tirs de 3 points. D'ailleurs, le Jazz est mort avec ses fameux tirs de 3 points. On passe maintenant donc à la dernière série qui est terminée entre les Suns et les Nuggets. Et juste une brève parenthèse, c'est drôle parce que hier, quand on a appris la blessure de Kawhi Leonard sur Twitter, il y a un partisan qui a dit... En fait, non, c'est le contraire. Lorsqu'on a appris que Chris Paul était sur la liste de la COVID, il y a un partisan qui a dit « Bon, on donne encore une fois le championnat aux Clippers. La porte est grande ouverte. Les Clippers vont gagner. » Et deux, trois minutes plus tard, on a appris la fameuse blessure de Kawhi Leonard. La bonne nouvelle, bon, on vous rappelle, Chris Paul est sur la liste de la COVID. Pour combien de temps exactement? On n'a pas de détails, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que cette série-là est terminée. Donc, plus longtemps, la série entre les Clippers et le Jazz se poursuit. Le mieux pour les Suns de Phoenix. Les Suns, avec tout le monde en santé, je pense que c'est l'équipe favorite pour remporter le championnat dans la NBA. Tellement de blessures à droite et à gauche. Les Suns de Phoenix qui ont fait qu'une bouchée. 4 matchs seulement pour en venir à bout des Nuggets de Denver. Chris Paul avec une performance exceptionnelle dans le match numéro 4 également. Un excellent ratio, passe décisive, revirement depuis le début des séries, mais surtout dans cette série-là. Mais du côté des Nuggets de Denver, on avait Jokic, le joueur par excellence de la dernière saison dans la NBA. On n'a même pas réussi à remporter un match. Hier, on a vu d'ailleurs sur les médias sociaux, Jokic qui est en train de faire du cheval à l'hippodrome en Serbie, tout simplement. Donc, je pense que il a mis son cerveau à off, entre guillemets. Il l'a complètement décroché, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la série entre les Nuggets et les Suns? Et est-ce que tu es d'accord avec moi lorsque je dis que les Suns représentent l'équipe favorite maintenant pour remporter le titre de l'NBA? Oui, avec un astérix. C'est sûr que tout dépend si Chris Paul est là ou pas. Je pense que plusieurs personnes cette année sont en train de renvoler leurs paroles contre Chris Paul, disant que c'était pas un bon coéquipier, c'était pas un bon leader, blablabla. Je pense qu'on a entendu la même chose de Jimmy Butler depuis 2 ans. Exact. Quand Jimmy Butler était ailleurs, c'est ça. Vas-y, c'est ça. Et quand tu gagnes, ça fait taire tout le monde qui parle contre toi. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Phoenix gagne en ce moment. On a battu les Lakers. Même contre les Lakers, on n'était pas favoris. Puis on était deuxième dans l'Ouest contre septième. Ouais. On les a battus. Là, après ça, on arrive contre Denver. On se dit, bon, c'est sûr que Denver n'ont pas Jamal Murray. Et les meilleurs joueurs de Phoenix, c'est leurs deux gardes. Leurs deux gardes qui est Devin Booker et Chris Paul. Donc, ça a été dur pour Austin Rivers et ça a été dur pour Campazzo. Donc, ils ont fait qu'une bouchée de Denver. On a mis beaucoup de pression sur Jokic. Je pense qu'à la fin, Jokic, tu le voyais que commençait à être un peu frustré. Malheureusement, le match est terminé là, pour lui avec sa flotte flagrante 2 sur le coup de Cameron Payne. Je pense que
c'est le geste qu'il a fait et non pas le résultat parce qu'il a un peu effleuré le nez de Payne. Il aurait pu clairement lui briser le nez s'il l'avait frappé. Oui, parce que écoute, façon, il est allé jusqu'en haut là, du haut de ses 6 pieds 11, puis tu sais, à 1 mm un petit peu à gauche, puis Cameron Payne est encore sur le plancher, là, puis il cherche les clés. Là. Mais combien de fois on a puni la blessure plutôt que le geste, et combien de fois on a vu un joueur par excellence se faire expulser d'un match de série, un match numéro 4 qui a scellé l'issue essentiellement des Nuggets de Denver. Dis-moi que si Michael Jordan avait fait ça, on aurait dit à Jordan bye-bye. Dis-moi que si LeBron James avait fait ça, on aurait dit à LeBron bye-bye. C'est triste là, de penser comme ça. Je vais te dire pas. Non, c'est ça. Avec des si, on va à Paris, là, mais c'est sûr que je pense pas que ça arrive. Je pense pas que ça arrive. La preuve, LeBron, pendant la première série, a effrayé un règlement de la COVID. Je pense qu'il est allé à son lancer. Là, il a fait une tequila, un je me souviens plus, là, alcool. Ouais. Un lancement, c'est ça, de sa boisson. Il n'y a pas eu de répercussions là-dessus. Fait que c'est sûr que LeBron James, tous les autres joueurs de la NBA. Mais, pour répondre à ta question, je pense pas. Ouais. Si c'est un LeBron James, si c'est un Kevin Durant qui est expulsé, je pense que le genre de respect qui est gagné avec peut-être ces joueurs de joueurs-là, mais ça explique ça aussi. Ça excuse pas le geste. Mais... Ça excuse pas le geste. C'est vraiment le geste, là. Comme tu dis, c'est pas le résultat qui a été puni. C'est vraiment le geste parce que tu le vois sans voir c'est quoi le résultat, juste le voir la façon qu'il est allé pour le fauter. Puis il faut dire, là, il est à 200 pieds de son panier. Il vient juste de manquer je pense que c'est son coéquipier qui a manqué un tir de lancer franc. Payne prend le rebond, il n'y a personne alentour de lui. Là, il va juste pour une faute, t'sais, un hard foul, comme on dit. Mm-hmm. Là, 20 ans, ça aurait été correct. Faute personnelle, let's go, on passe à autre chose. Maintenant, la NBA veut, et encore, depuis, je pense, depuis l'épisode avec les fans à Indiana, puis avec Metal World Peace, Ron Artest dans le temps, ouais. Ben Wallace, on a dit on veut plus avoir ça, on veut plus avoir ces images-là, cette réputation-là. Mais c'est plate pour Denver. En même temps, je pense que Denver, avec un Jamal Murray en santé, à l'acquisition d'Aaron Gordon, Will Barton, je pense que c'est une excellente équipe qui pourrait compétitionner là, pour la finale année après année. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la saison morte. La plus importante, je pense, c'est pour Jamal Murray de revenir en 100% ouais, en santé. Oui, très d'accord avec toi. En terminant, Max, parce qu'on va aller sous peu à notre entrevue avec Chris Joseph, j'aimerais parler des équipes toutes étoiles dans la NBA, pour les gens bon, qui n'ont peut-être pas vu, la première, Steph Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard et Nikola Jokic. La deuxième, Damian Lillard, Chris Paul, Julius Randle, LeBron James et Joel Embiid. Et la troisième, Bradley Beal, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Paul George et Rudy Gobert. À ton avis, quel est le joueur qui aurait peut-être dû se retrouver parmi l'une de ces trois formations qui ne s'y trouve pas, sans en retirer un, sans dire, moi, je pense que, exemple, LeBron ouais. James n'a pas d'affaire là, mais qui sont les joueurs peut-être qui devraient être dans l'une de ces trois formations-là? Mais j'en ai trois. J'en ai trois. Je me souviens que quand on a eu ça à chaud, tu m'as lancé ça sur le Facebook Live, puis là, écoute, essaie d'analyser puis regarder puis dire à qui qu'on a... Parce que toujours... Il y a toujours un All-Star snob team, si je peux dire, des joueurs ignorés. Le premier que je pense, Jason Tatum à Boston. Je pense que il y a eu une super année et qu'il aurait pu être ouais. au moins sur la troisième équipe. Je pense qu'avec les votes, c'était genre le prochain sur la liste là, s'il y avait un spot ouvert. Mon autre, c'est Russell Westbrook. Écoute, je pense qu'on en a parlé. Là, à chaud, c'est ça que tu m'avais dit. Comment tu peux ouais. avoir en moyenne un triplé par match pour être des 15 meilleurs joueurs de la Ligue ou reconnu dans les trois équipes d'étoiles? Il faut mentionner que tu as un centre, deux forwards, deux alliés rapprochés, tout ça. Là. Donc, tu peux pas juste avoir 15 joueurs puis que ça soit 15 gardes ou 15 centres, quoi que ce soit.
Et mon troisième, c'est Donovan Mitchell. 26 points par match. Première équipe dans l'Ouest. On met Rudy Gobert. Je pense que Rudy Gobert, oui, côté défensif, sa présence est là. Mais j'aurais peut-être mis Donovan Mitchell à la place de Rudy. Rudy, c'est beau, toi, t'es dans l'équipe, tout étoile, t'es joueur étoile défensif de l'année, mais j'aurais pris Donovan Mitchell si ça aurait été de moi. Et en fait, je vais me prêter au même exercice que toi. Je pense que Westbrook aurait mérité d'être là à la place de Kyrie Irving. Je pense que ça a été politique du côté des Nets. Irving qui a joué 56 matchs. Westbrook a connu une saison qu'on n'a jamais vue, battu le record pour le plus grand nombre de triplés. Je pense que la présence de Bradley Beal, qui a terminé deuxième au chapitre des meilleurs pointeurs de l'NBA, je pense que ça fait en sorte qu'on a préféré Kyrie à Westbrook, plutôt, surtout que c'est pas exactement comme si les Wizards avaient terminé premier non plus. Là. Donc, c'est que tu peux pas récompenser des équipes qui perdent. On en a parlé avec Peter, Lugansdorf, d'après moi, et d'après les joueurs, tu sais, si on fait un survey des joueurs, et sur l'équipe étoile défensive, mais son équipe a fini avant-dernier dans l'Ouest. Tu peux pas récompenser une équipe en disant, toi, t'es un bon joueur, mais dans une équipe perdante. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, écoute, Bradley Beal, c'est sûr qu'il a fini deuxième compteur de la Ligue. On peut pas passer à côté de ça. Mais je pense que les médias ou les personnes qui votent, qui ont les droits de vote, ont dit, ben on va mettre un Wizard, c'est assez, un joueur des Wizards, on peut pas en mettre deux. Même si Westbrook a connu une saison exceptionnelle là, avec des statistiques qu'on n'a jamais vues. Mais j'ai le goût de te demander, est-ce que c'est le temps que, à la place de faire première équipe, deuxième équipe, troisième équipe, peu importe, là, quels sont les 15 meilleurs joueurs de la NBA? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir deux gardes, deux ailiers, un centre par équipe? Parce que, est-ce que le centre, par exemple, je sais que tu es un big man, puis j'enlève rien au big man, tu le sais, mais est-ce que le centre sur la troisième équipe, est-ce que le centre sur la troisième équipe est nécessairement meilleur que le septième garde qui, lui, ne se retrouve pas dans l'une de ces trois équipes-là? Honnêtement, fait équipe 1, 2, 3, peu importe quelle position, on veut savoir qui sont les 15 meilleurs joueurs de la NBA, pas par position. Mais, en tout cas, c'est mon avis, je sais pas ce que tu en penses. Le problème, c'est le mot équipe. Aussitôt que tu mets une équipe, c'est là que le concept équipe s'est dit, ben, on peut pas mettre 5 gardes dans l'équipe. Oui, il y en a qui jouent, on a vu. Ouais, c'est ça. On a vu Houston jouer avec Small Ball et tout ça. Mais ça, c'est des récompenses. Écoute, ça depuis 50 ans qu'ils ont ça, là. Donc, ça va être dur à changer. Moi, je pense que oui, ça devrait être juste voici les top 15. C'est sûr que, écoute, ça. Est-ce que c'est des arguments que les agents utilisent de joueurs pour dire hey, « moi, j'ai été sélectionné 3 équipes d'étoiles, donne-moi 1 million de plus. » C'est sûr, mais en même temps, c'est des honneurs individuels. Oui, est-ce que ça devrait changer? Moi, je pense que oui, parce que est-ce qu'un troisième centre, comme tu dis, est meilleur que le septième garde? Tout est relatif, tu sais, c'est quoi son apport qu'il a besoin à son équipe. T'sais, le centre va peut-être pas garocher 53 points dans un match. T'sais, Rudy Gobert en a jamais fait, mais il y a un impact sur le match quand même. Donc, c'est extrêmement difficile. Et c'est toujours comme ça. T'sais, avec le joueur des étoiles, c'est toujours comme ça. Tu as toujours des joueurs ignorés. Il y a toujours un petit débat. Ça met de l'huile sur le feu pour des podcasts comme le nôtre parce que ça donne des sujets de conversation. Ouais. Mais à la fin de la journée, les joueurs qui sont là le méritent. Mais c'est sûr que on pourrait faire quatre équipes d'étoiles. Mais à un moment donné, il faut que ça finisse à quelque part. Il faut mettre la ligne dans le sable et dire on passe à autre chose. Mais oui, moi, je changerais peut-être le format. Max, encore une fois. Toujours un plaisir de faire ce balado avec toi. Notre prochain rendez-vous, ça va être mercredi prochain, le 23 juin, parce que le 24, jour férié, Saint-Jean. Donc, on sera là une journée plus tôt. On sera déjà rendu au final de conférence, donc dans l'Est et dans l'Ouest. Hey, ça va être hâte de voir. Ouais, ça c'est la question. On sait que c'est Phoenix, mais on ne sait pas c'est qui les autres. C'est ça qui est incroyable. Puis, écoute, tout peut arriver. Comme la journée hier avec les mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Donc, une semaine, il va arriver beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est que même s'il y a des joueurs blessés puis que LeBron est contre la Ligue en ce moment, c'est du bon basket. Les matchs sont enlevants.
Même si vous pensez qu'un match est fini après trois quarts, comme moi j'ai pensé hier, ben écoute, les Hawks m'ont cloué le bec. C'est pour ça j'ai mis mon chandail rouge. J'ai pas un chandail des Hawks. Puis je voudrais dire que Steve, notre producteur qui était là mardi, devait être content en tabarouette. Ouais, je pense que c'est le seul fan des Hawks au Québec. À moins qu'il y en ait d'autres, manifestez-vous, mais ils doivent être extrêmement contents de leur équipe et fiers de leur équipe. Oui, exact. Merci beaucoup, Max. On va remercier également Peter Yiannopoulos. Et pour notre part, ben, on se laisse sur une entrevue qu'on a réalisée mardi, alors qu'on s'apprêtait à décrire le match numéro 5 entre les Nets et les Bucks. On a eu la chance de s'entretenir avec l'ancien de l'Orange de Syracuse. Il a joué pour les Nets. Il a été repêché par les Celtics en deuxième ronde en 2012, nul autre que la légende du basketball québécois, Chris Joseph. Donc, on se laisse avec cette entrevue et on se retrouve le 23 juin pour une autre édition du balado du Centre-Ville. À tout le monde. On a maintenant la chance d'accueillir un invité de marque ici même au basketball de la NBA sur les ondes de RDS. Pour les amateurs de basket au Québec, vous le reconnaissez assurément, Chris Joseph, qui a joué pour l'Orange de Syracuse, choix de deuxième ronde également des Celtics en 2012. Bonjour, Chris. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, très, très bien, toi. Merci beaucoup encore une fois de prendre le temps de nous parler ce soir. Chris, depuis ton dernier séjour dans la NBA, donc qui s'est terminé essentiellement en 2013, tu as surtout joué en Europe, notamment en France. Tu as tenté l'expérience de la CEBL avec la Saskatchewan l'année dernière. Et là, on a appris récemment que tu allais revenir dans cette ligue-là avec les Blackjacks. On voit d'ailleurs ta superbe casquette des Blackjacks d'Ottawa, qui sera dirigée par notre ami et collègue Charles Dubébret. Chris, pourquoi tu as décidé de revenir cet été jouer dans la CEBL? Premièrement, c'est parce que je connais les deux general managers, Javon Shepard et Andy Routens, avec qui je suis allé à Syracuse avec. Ouais. Et puis aussi, juste géographically, c'était très proche de Montréal, 2 heures de train, 1 heure et demie, peut-être 2 heures de voiture. Alors, c'était smart pour moi d'y aller parce que c'était proche de la maison, la famille. Et c'était une opportunité pour que je continue à jouer au basket, stay in shape. Alors, c'était une bonne chose pour moi. Et j'ai confiance en Shep et Andy pour ils ont bien construit l'équipe. Et il y a des gars qui ont joué avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vétérans, beaucoup de gars qui ont joué sur l'équipe nationale du Canada. Alors, je pense qu'on a une très bonne équipe qui a été mise ensemble et je me sens bien pour cette saison avec les Blackjacks d'Ottawa. Salut Chris, tu viens de parler, là, Ottawa c'est proche, on sait que Montréal va avoir son équipe l'année prochaine. Parle-moi un peu de la CEBL, la qualité de jeu pour les gens qui ne connaissent pas vraiment cette ligue-là. La CEBL, c'est une bonne ligue, je pense que ça c'est la troisième année. Et puis il y a des gars qui viennent, qui jouent dans les hautes ligues en Europe. Il y a des gars l'année dernière, il y avait une situation un peu bubble, comme ils ont fait dans la NBA. On avait des joueurs qui ont récemment joué dans la NBA. Comme Briante Weber. Il y a beaucoup de high-quality basketball players. Mais je pense que c'est une bonne opportunité pour les gars canadiens qui jouent en Europe. Ça nous donne une chance de venir jouer au Canada dans une ligue qui est très compétitive et de jouer du bon basket. Chris, on a un grand match ce soir avec les Bucks de Milwaukee contre les Nets de Brooklyn. Tu as joué pour les Nets de Brooklyn, un grand, fier Montréalais que tu es. Parle-nous un peu de l'expérience pour toi quand tu as joué pour Brooklyn. C'était comment cette organisation quand tu as joué pour eux, pour les Nets? C'était une très bonne organisation. Et premièrement, il y avait des Hall of Famers qui étaient là, Deron Williams, Joe Johnson, des gars qui avaient... Tu as joué dans la NBA, c'est déjà un rêve, mais... Des gars que je regardais souvent sur YouTube et je regardais pour partir au parc, faire le move que je voyais. Les Nets, c'était une très bonne organisation. Je suis content. Je suis content que j'ai pu jouer pour eux parce que c'était vraiment first class là-bas. Chris, donc, tu as joué pour les Nets pour la dernière fois en 2013. J'ai envie de te demander, quelle est la différence entre le Chris Joseph de 2013 sur un court de basketball et le Chris Joseph en 2021? Le Chris Joseph de 2013 était un peu plus athlétique, je pense. Un peu comme nous tous, finalement. Et aujourd'hui, je pense que comme on voit ici, je peux shooter la balle un peu plus. Maintenant, en 2021, je suis considéré comme un joueur très capable de shooter des tirs à 3 points. Je pense que mon jeu a beaucoup changé en 10 ans. Alors, comme on voit ici, ça, c'est des bons highlights ici.
Mais c'est ça, je pense que ça, c'est la grosse différence. Parce que maintenant, je pense que je suis plus un joueur complet que aujourd'hui que j'étais en 2013. C'était le fun de revoir ces images-là. Chris, tes plans pour cet été? Je sais que tu avais une académie là, dans le temps. Je ne sais pas avec la COVID si tu vas pouvoir la refaire cet été, mais quels sont tes plans là, pour la saison estivale? Ce que je faisais cette année, cet été, c'était pas nécessairement un camp de basket, mais c'était plus skills and development training. Et pour moi, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent apprendre à jouer le jeu de basket. Pas juste partir au parc et espérer de faire une équipe de basket un jour. Moi, j'aime vraiment apprendre. S'il y a une chose que je vais vraiment faire après le basket, moi, c'est vraiment devenir coach et c'est pour apprendre les jeunes. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Quand je vois un jeune, quand je lui dis quelque chose ou quand je lui apprends quelque chose, et je vois que, you know, the light bulb goes off in his head. Et il comprend vraiment ce que je viens juste de lui dire et il comprend pourquoi je lui ai dit. Et c'est un bon feeling pour moi juste d'apprendre les jeunes et comment jouer au basket de la bonne manière et de les faire peut-être réaliser un rêve un jour aussi de jouer dans l'NBA. Chris Sinclair, durant chaque entrevue, on se connaît depuis longtemps. Peux-tu me donner un oui, papa, s'il vous plaît? Oui, papa. OK, merci. Hey, hey. Chris, t'as quitté pour les États-Unis quand t'étais jeune. T'as joué pour le Syracuse. T'es repêché pour les Celtics. T'as joué pour Brooklyn. C'est clair que t'allais jouer pour Champlain-Saint-Lambert aussi. Ça, on le sait déjà. Ça, c'est clair. Mais parle-nous pour c'est toi, clair. C'était quoi le moment, la vérité, quand tu savais que t'étais dans la NBA? C'est qui peut-être le meilleur joueur que t'as joué contre? Mais c'était quoi le moment que tu savais que Chris Joseph était dans la NBA? Pour moi, honnêtement, c'était dès la première journée, on est parti à Los Angeles avec l'équipe pour faire un petit mini training camp avant de faire le vrai training camp avec l'équipe. C'était seulement l'équipe, il n'y avait pas de coach. Et puis ça, c'est le temps que j'ai vu, mais un de mes joueurs préférés, c'est Paul Pierce. Alors pour moi, être dans la même locker room que lui, sur le même terrain que lui, et pour qu'il puisse m'apprendre quelques trucs, c'était une bonne expérience pour moi. Et comme j'ai dit, ça, c'était un de mes joueurs préférés que j'ai beaucoup regardé aussi sur YouTube dans le temps, parce que moi, j'ai beaucoup comparé mon jeu, mon style de jeu à un gars comme Paul Pierce, qui n'était pas hyper athlétique, mais il pouvait sauter, il pouvait bouger, et 6 pieds 7, il pouvait dribbler la balle. Alors, ça, pour moi, c'était le wow moment. Quand il m'a parlé pour la première fois, j'ai dit, damn, like, he knows who I am. That's crazy. You know what I mean? Alors, pour moi, ça, c'était très wow. Et avant ça, même avant, c'était le jour que j'ai rencontré Michael Jordan, qui pour plusieurs jeunes, c'était un peu notre idole. Et ça, c'est quand je suis parti faire mon workout pour les Hornets. Et il était là et il m'a dit que, he said, I really shot the ball well. Et pour moi, ça, c'était un compliment. Like, oh, wow, like, Michael Jordan just told me that I shot the ball well in a workout. C'était un rêve. Incroyable. Chris, je suis certain que tu as été également un modèle pour un paquet de joueurs de basketball ici même au Québec. C'est tout le temps qu'on a. Un gros merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci, Chris. Merci, Chris. Ah, merci beaucoup. Merci.